les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va très bien. Je me suis levé tôt ce matin et puis je me suis recouché parce qu'il pleuvait. Et oui, hier, j'ai quitté Nakhon Pathom et j'ai fait la dernière partie du trajet sous la pluie. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas sorti ma combinaison de pluie. Franchement, ça m'a fait chier de la mettre hein, quand même. Hein. Je dois avouer, mais ça tombait bien fort hein, quand je suis arrivé hier. Ce matin, de la pluie également. Mais là, ça y est, vous pouvez le voir. Vous voyez le rayon de soleil qui rentre à l'intérieur de la chambre. Il commence à faire beau. Le soleil est sorti et les nuages se dissipent. J'ai donc changé de ville. J'ai quitté Nakhon Pathom et j'ai continué ma route vers le sud pour m'arrêter à Phetchaburi. En fait, je suis parti de Nakhon Pathom et je me suis dit je m'arrêterai quand j'en aurai marre. Eh ben, la pluie aidant, j'en ai eu marre, arrivé à environ 30 km de Phetchaburi, hein, donc par la force des choses, c'est là que je me suis arrêté. Alors aujourd'hui, je vais pas faire beaucoup de kilomètres, je vais pas m'éloigner beaucoup de la ville, car il y a pas mal de choses à voir dans les environs. Demain, je reprends la route vers le sud, et ben, je vais en profiter. Bon, les routes par contre sont trempées, donc malgré le fait qu'il ne pleuve plus, ça va quand même mouiller, mais c'est pas grave. On est parti? On est parti. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va pas faire beaucoup de route. On va rester dans les environs. Je vous dis pas le taux d'humidité là. Avec tout ce qu'il est tombé et comme il faisait très chaud avant, toute cette eau s'est en partie évaporée et l'atmosphère est particulièrement humide là. J'ai les mains complètement trempées. Ah, c'est hyper désagréable. Et voilà, j'ai nettoyé Cocotte et 2 jours après, elle prend la pluie quand même. C'est incroyable ce manque de bol. Ouais, ça va mouiller, hein. Ah, j'ai faim. J'aurais peut-être dû manger un truc avant de partir. Ah, en plein dedans. Ah, bah allez donc. Ah, je me suis mangé un vieux trou. Oh là là. Yeah, okay. Okay. Soyez les bienvenus à la TAM Cao Luang, la grotte de Cao Luang. Alors vous voyez juste derrière moi, il y a un monsieur là qui garde l'entrée de la route, qui a un lance-pierre pour chasser les singes qui s'approcheraient trop près des véhicules. Manqué, manqué. Cette fois-ci, il ne devrait pas s'en prendre à Cocotte. Hein. Elle est garée juste à côté du gardien qui garde son lance-pierre à la main, prêt à shooter le moindre singe qui s'approche. Alors bon, c'est salaud. Hein. Mais ils font des dégâts, alors bah, les Thaïs essayent de les maintenir à distance quoi, pour pas qu'ils viennent chaparder ou esquinter des trucs. Bah, je peux comprendre, hein. Je ferais pareil à leur place. Hein. Il y a une route qui mène en haut de la colline, mais on n'a pas le droit de l'emprunter en véhicule. Sauf évidemment hein, si vous prenez un tuk-tuk. Là, il passera sans problème, mais vous ne pourrez pas monter avec votre véhicule. Il fait une moiteur. C'est terrible. Là, l'humidité aujourd'hui, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'avais un peu oublié cette sensation, hein, parce que bah, ça fait quelques semaines maintenant que j'ai que du beau temps, et donc que le temps est bien sec, et que le taux d'humidité a vachement baissé. Imaginez-vous un peu monter une colline dans un sauna. Bah voilà, c'est un peu ça, quoi. Ah bah ça y est, j'arrive. Oh, ça va, ça aura pas été bien long. Parfait. Vous avez vu ces mini camions là, j'adore. On dirait des véhicules de manga, trop stylé. 10 bahts l'entrée, ouais, ça va. Hein. Et puis vous pouvez également acheter un ticket qui vous permettra de prendre le tuk-tuk pour vous ramener après votre visite. Alors où elle est cette fameuse grotte? L'arrivée dans la grotte est vraiment sympa. On arrive, on passe un petit portail et là on a un escalier qui plonge dans un trou. Alors je ne vais pas parler trop fort parce que, comme souvent en Thaïlande, une grotte signifie lieu de culte.
Vous avez vu comme c'est beau à l'intérieur, hein. La grotte n'est pas immense, il y a une grande salle, et puis ensuite un petit couloir qui mène à une impasse, j'ai envie de dire à un cul-de-sac. Mais la grande salle là, qu'est-ce qu'elle est belle avec ce trou au plafond. Ah non, j'ai dit une bêtise, il y a deux salles. Mais la salle principale là, avec le Bouddha assis, elle est vraiment très très belle. Je ne suis pas content, j'en ai marre. Je n'en peux plus des selfies. Ça devient vraiment grave. Les gens viennent visiter un endroit comme ça, et je vous assure, il y en a énormément qui ne font que des selfies. Ce n'est qu'une mise en scène d'eux-mêmes par rapport à l'endroit. C'est ce que je suis en train de faire. Alors déjà, c'est pas un selfie. Déjà, je filme. Et puis, si je vous expliquais pas les choses, vous trouveriez peut-être les vidéos un peu moins intéressantes, non? J'espère. Non, mais c'est infernal, hein, je vous assure. Puis alors, comme par hasard, hein, tous ceux qui prennent le plus de selfies, c'est ceux qui savent le moins utiliser leur téléphone. Hein. Il leur faut des plombes à chaque fois, puis évidemment, le premier essai n'est jamais le bon, le deuxième non plus, le troisième non plus, donc ils essayent je sais pas combien de fois avant enfin d'être satisfaits de leur cliché tout pourri, je suis sûr en plus. Vraiment, les selfies, là, je commence à en avoir ras le cul, j'en peux plus. Bref, bon, c'était une super grotte, hein. J'ai trouvé ça génial. J'ai eu super chaud dans la grotte, j'ai pas arrêté de dégouliner alors que je ne faisais absolument rien. Juste, je marchais tout doucement, je filmais tranquillement. Mais une chaleur là-dedans, il faut que j'aille manger. Je sens que j'ai vraiment besoin de manger, là. Ça commence à devenir important. J'aurais vraiment dû manger avant de partir. Waouh, quelle belle grotte, vraiment, hein. C'était super chouette. Le seul problème quand je visite des endroits pareils, c'est que le téléphone, bah, il est pas fait, hein, pour des environnements comme celui-ci, où la luminosité est vraiment très très basse. Dans ces moments-là, j'aimerais bien avoir un bon boîtier photo, un bon réflexe, comme j'avais avant. C'est trop lourd, c'est trop contraignant. Ça vous enlève beaucoup de votre liberté de mouvement, de ce que vous pouvez faire. Donc du coup, je reste avec mon téléphone. Désolé si la qualité d'image est pas au top. Oh là, il a du mal. Hello. Les petits moteurs, ils ont du mal là sur la côte, hein. Ouh. Bah ça y est, le soleil est sorti. Ah, puis un peu de vent là, oui. Ouh. Je vais retourner vers la ville, je vais aller manger quelque chose. Et ensuite, on va visiter les choses à voir à l'intérieur de la ville. Hein. Je vais vraiment pas m'éloigner aujourd'hui. Je vais pas faire beaucoup de route. Et demain, bah, de toute façon, je reprends la route et puis je continue ma descente vers le sud. Oh putain, il prend de l'élan lui. Ah, il a bien raison, hein. Bon, Cocotte est toujours là. Ouais, elle est là-bas. Il y a le monsieur, là, juste derrière, avec son lance-pierre. Je suis sûr qu'il a dû shooter 2-3 singes pendant mon absence. Ah, Cocotte. Je vous montre le lance-pierre. Vous voyez, lance-pierre et la bille pour shooter les singes. Bye bye.
Oh, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'avais faim. Oh là là. Soupe de nouilles terminée, 90 bahts avec une bouteille d'eau. C'était des nouilles au poisson. C'était vraiment très très bon, je me suis régalé. J'ai bien mis la dose en piment, j'ai encore la bouche en feu. Monkey Monkey! Oh, il était pas beau, Luc! Oh, vous avez pas vu ça? Ah, dommage! Putain, il y a une coco qui vient de tomber là, à mon avis, c'est un singe qui l'a fait tomber. C'est une coco ou pas? Si j'avais été en dessous, je serais mort! Et voilà, il l'a balancé par terre, et maintenant, il la dépiote et il la bouffe. Le sac à dos avec moi, bah parce que je veux pas le laisser là avec les singes. Hein. J'espère qu'ils vont laisser Cocotte tranquille. Hein. Me voici arrivé au Pranakon Kiri. Bah attends, eux, ils montent avec leur voiture, il y a un panneau qui dit que c'est interdit, je me suis arrêté exprès ici. Aucun véhicule autorisé, si ce n'est les véhicules des autorités, quoi. Voilà, c'est dégueulasse. Alors, il semblerait que ce soit un parc et également un musée. 150 bahts l'entrée. Et j'ai cru voir des panneaux indiquant qu'il ne fallait pas filmer ni prendre de photos, alors je vais filmer tant que je peux. Et puis au moment où on me dira stop, ben je stopperai quoi. Je ne sais pas si je pourrais accéder d'ici au Shady qui se trouve face à moi là, qui a l'air assez imposant quand même. Alors évidemment, hein, c'est pas celui de Nakhon Pathom, hein, mais ouais, il est pas mal. Et puis juste à côté, il y a ça également. J'aimerais bien aller y jeter un œil, hein. Ça a l'air sympa. Quand je vous dis que les singes, c'est pas des pluches et c'est pas des animaux cool, vous voyez, ils préviennent les visiteurs que les singes peuvent les attaquer, essayer de leur tirer leurs affaires, les griffer et les mordre. Hein. Derrière moi se trouve le pavillon de repos dans lequel attendaient les officiers supérieurs quand ils avaient une audience avec le roi. J'en déduis donc que ce parc et cet endroit est probablement une résidence royale, un lieu royal. J'en sais pas plus hein, pour l'instant, je découvre en même temps que vous. Hein. Ma première impression, c'est que le parc est quand même très joli. Hein. J'adore les arbres qui sont ici, ils sont vraiment magnifiques, très torturés, vous voyez, très noueux. Un peu des arbres de conte, je trouve. Attention néanmoins aux marches, hein, si vous venez ici. Hein. Elles sont recouvertes de mousse, alors pour peu qu'il y ait un peu plus avant, comme c'est le cas, eh bien c'est quand même extrêmement glissant. Hein. On est bien dans une ancienne résidence royale ici. J'ai pu visiter la résidence principale du roi Rama IV qui a fait construire cet endroit. Deuxième moitié du 19e siècle. C'est un très bon choix. Hein. Rama IV, il avait du goût. Hein. Il a choisi un bel endroit pour construire son palais. Hein. Ah, il était bien là. Et j'ai rencontré une dame et sa tante. La dame me demande depuis quand j'étais ici, ce que je faisais en Thaïlande. Elle est d'origine thaï,
mais elle vit en Oklahoma, aux États-Unis, et oui. Et sa tante, elle, est d'origine thaï également, mais vit depuis 40 ans à Paris. Alors elle me dit, on va attendre ma tante, vous allez pouvoir discuter un peu avec elle. Je dis donc, bah, elle parle sûrement très bien français. Effectivement, la dame parle un français absolument impeccable. Et elle est à la retraite, et ce qu'elle fait, c'est que quand il fait beau ici, période sèche, elle vient en Thaïlande. Et puis dès qu'il commence à pleuvoir, à faire un peu moins beau, bah, elle retourne en France. Et puis elle fait ça tous les ans. Et je crois qu'elle a tout compris, hein. Ici, on a ce petit temple qui se trouve juste à côté de la résidence royale. On sort, on fait 50 mètres, on y est. Alors malheureusement, je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. Vous ne verrez que l'extérieur du bâtiment, mais moi, je vais quand même aller voir l'intérieur, hein. Et vous n'avez rien loupé, hein, à l'intérieur. C'est tout petit, il y a une statue du roi, une statue de Bouddha, et puis il n'y a rien d'autre. Voilà. Je vais pouvoir accéder à la pagode derrière, et puis aux autres bâtiments. Donc ça, c'est cool. On va se dépêcher un peu parce que là, ça s'assombrit, hein. Ça sent pas bon, ça, hein. Ça sent pas bon. Oh non, pas de pluie, s'il vous plaît, non. Ouais, j'en ai assez mangé, hein. Si vous venez à Phetchaburi et que vous voulez vous éloigner un tout petit peu du bruit et du tumulte, quoique ce soit une ville qui a l'air relativement calme, hein, quand même, eh bien, venez ici. Vous allez marcher. Vous allez être au milieu d'un parc vraiment très très beau, je trouve. Ce parc, très très beau, hein, je vous le dis comme je le pense. Ces arbres, surtout, là, ils sont magnifiques. Et puis ce chemin c'est quoi, c'est de la brique. Ouais, on dirait des espèces de briques, quoi, des pavés. Il est glissant, il est un peu dangereux, mais c'est très joli. Vraiment, c'est un chouette endroit, j'aime beaucoup. Oup, 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 oh là là. Ah ouais, oh putain. Ah mais, ah bah voilà, c'est une patinoire. C'est hyper dangereux, oh putain. Ah sérieux, oh là 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 là, non non mais c'est hyper dangereux là. Ah, très mauvaise idée, hein, ces espèces de grosses briques là pour faire le sol pavé là. Vraiment très très mauvaise idée, hein. Bon, il va falloir que je retrouve mon chemin après, hein, parce que là je me dirige complètement de l'autre côté de la colline et je vais me retrouver très loin de Cocotte, hein. Ça y est, j'y suis. Je vais devoir accélérer la cadence, je n'ai quasiment plus de batterie. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de la pagode ici. Et puis ensuite, dernière étape, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. On voit la résidence royale d'ici. Le palais était ici, et puis derrière également. Là, on a le temple, et puis ce bâtiment, je ne sais pas trop à quoi il sert. Ça m'intéresse, mais il commence déjà à se faire tard, hein, alors je sais pas trop, hein, si j'aurai le temps d'y aller. On verra bien. Il faut pas être un géant pour passer par là. Hein. Oh punaise, ils étaient pas bien grands à l'époque. Hein. Dernier bâtiment à visiter ici, là, on va faire ça vite fait. Ce dernier bâtiment, c'est un temple, le Wat Pra Kaonoi. Je me trouve juste à côté du petit Shedi qui est situé juste derrière le temple, qui est un tout petit temple, hein. Le bâtiment est minuscule. Je vais aller voir vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis demi-tour. Une chose est sûre, ne venez pas ici pour visiter uniquement le temple, hein, vous seriez très déçus. Il est minuscule, rien de particulier, vraiment. Je vais ranger le téléphone, je vais le brancher surtout sur la powerbank, et puis on se retrouve au niveau de Cocotte. Je ne sais pas où je vais aller encore, j'aimerais bien prendre un café, hein, un petit café Yen. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve plus tôt que prévu. Bah oui, il me reste la GoPro. Depuis ce matin, mon t-shirt est mouillé, il n'a jamais séché depuis. Ou bien 4 heures, ouais, 4 heures qu'il est trempé. Oh là là. Ah, je vous avais pas menti quand je vous disais que ça glissait. Oh putain de merde. Ah, c'est abusé, hein. J'ai repéré une boutique dans la ville de Phetchaburi où j'aimerais beaucoup aller. Bon, ça ouvre à 18h. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'occupe d'ici là jusqu'à 18h en allant visiter probablement d'autres temples. On verra si j'ai l'énergie pour. C'est bon, je suis sur le bon chemin. J'ai retrouvé la route. Alors les singes,
J'espère que vous avez pas déconné avec ma bécane, hein. Et où c'est que t'as chopé ça, toi? Ah, je vais m'arrêter pour prendre un café, là. Ouais. J'ai besoin de me poser un peu, de souffler, et puis de préparer le plan d'attaque pour la suite de la journée. C'est l'heure du café, bon de préférence. Et si je pouvais grignoter un petit truc avec, ça serait encore mieux. On va essayer de descendre sans se casser la gueule. Parce que vous voyez, c'est le même revêtement que là-haut, hein. Ben voilà, c'est bon, impeccable. Oh, j'ai vu un café là. Oh, celui-là il va faire du bien. Il va falloir que je l'apprécie, hein. Je vais le boire lentement. Ouais, je vais me reposer un petit peu ici, récupérer un peu. Et puis j'ai déjà repéré le prochain endroit où je vais me rendre. Soyez les bienvenus au Wat Khoi, un temple situé en plein cœur de Phetchaburi. Assez original, hein, je dois l'avouer. Il me semble pas en avoir vu un comme ça encore. Hein. Ah, le patriotisme thaï. Vous imaginez nos églises aux couleurs du drapeau français? Et oui, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, là, le toit est peint avec les couleurs du drapeau thaï. Et oui, c'est pour le bâtiment qui se trouve derrière moi que je suis venu. Avouez quand même qu'il est assez original et que vous n'en avez encore jamais vu de comme ça, en tout cas sur ma chaîne. Moi, personnellement, il me semble que c'est le premier de ce type que je vois depuis le début de mon aventure ici en Thaïlande. À ne pas louper si vous venez ici, hein. Derrière le temple, un peu caché, il y a ce mur recouvert de bas-reliefs exceptionnels. Ils sont trop beaux, hein. Et ça a été peint en couleur argent, c'est vraiment génial. Quelle masse de travail là encore, topissime. On a des statues de musiciens tout autour du temple, sur les quatre côtés. Ça fait vraiment plaisir de reconnaître à sa juste valeur l'importance de la musique. Je crois qu'il est temps d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Si l'intérieur est au niveau de l'extérieur, ça risque d'être sublime. Vous avez vu ce gros bloc de marbre sculpté posé juste devant la statue de Bouddha. Et puis le travail du bois également, il y a de la marqueterie sur les murs, près du plafond, avec le métal doré. Ah, c'est trop beau. Franchement, c'est super. Ça fait plaisir de voir un temple qui est magnifique à l'extérieur et qu'il est également à l'intérieur. En plus, le sol là en marbre, enfin bon, ils ont vu les choses en grand et tant mieux. Eh bien voilà, un temple qui, dit trivialement, vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Hein. Ah ouais, là, j'utilise les grands mots, les grandes expressions. Très joli et comble du comble, original. On a le combo gagnant. Hein. Alors on n'est pas sur une montagne, hein. Il manque ça. Il manque la montagne, mais la montagne elle est juste derrière. D'ailleurs, si vous regardez bien en haut, c'est où j'étais tout à l'heure. Prochaine étape, je ne sais pas encore. Il faut que j'y réfléchisse. En tout cas, je recommande vivement ce temple. Hein. Pas très grand, mais alors très joli. Bon, Phetchaburi, c'est une petite ville hein, quand même. Hein. Et ça, pour moi, c'est une grosse qualité. Une petite ville, mais où il y a beaucoup de choses intéressantes à voir, et ça, c'est cool. Et très peu de touristes occidentaux. Ah, c'est la sortie des glaces.
ce qui est terrible quand vous roulez à l'heure de la sortie des écoles, c'est que ça sent super bon dès que vous passez devant une école. Bah oui, il y a plein de stands qui vendent des sucreries là. Ça sent affreusement bon. Pourquoi on n'a pas ça en France? Ouais, c'est dégueulasse. Bah, dès que les cours sont finis, ils s'enfilent des sucreries, quoi. Alors que nous, en France, bah si, remarque, on va dans les boulangeries, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez, alors la sortie des écoles, eh ben, les routes sont blindées. Il y a toujours des bouchons en ce temps-ci, hein. Ça, c'est une constante. Regardez, c'est joli avec la pagode au fond. Le temple que je vais visiter à gauche, là, qui a l'air magnifique. Ah ouais, magnifique. Tout en bois, oh là là, magnifique. Bienvenue au Wat Yai Suwanaram. Dernière visite de la journée. Car oui, là, ça y est. Hein. C'est bon, je pense qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Vous avez vu, ils ont placé des étais sous le plancher du temple pour le soutenir. Je ne suis pas sûr que ça soit ouvert. Oh là là, non, fuck. Eh oui, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. C'est un vieux temple qui date de la période d'Ayutthaya et un des plus vieux temples de Pechaburi. Et il y a des peintures datant de plus de 300 ans à l'intérieur. Lâche-moi, toi. Bien, ben je n'ai pas vu de peinture à l'intérieur du temple. Alors il y a ce bâtiment également là sur ma gauche. À mon avis, ce bâtiment sera fermé. Ah, c'est ouvert. Super. Elles étaient donc là, les peintures vieilles de 300 ans. Quel dommage qu'elles n'aient pas été conservées. Ça, c'est vraiment regrettable. Là, elles font quand même la gueule. C'est l'heure de manger, hein. Ouais, c'est l'heure de manger, hein. Oh là là. C'est ouvert, c'est fermé. Hello, ça va des caps? It's open? Yes, ok. Voilà ce que je vais commander. Un curry de fruits de palme. Je vais prendre ça avec du porc rôti, ouais. Je vais prendre l'omelette là, avec les piments et les échalotes. Pechaburi. Omelette. Ça par contre, je suis très curieux, j'ai jamais vu ça encore. Ah ouais, ça me dit bien. Il est sympa ce resto là. Tout est en bois, on est au bord de la rivière et ils ont pas mal de choses à la carte et notamment certains plats que j'avais jamais vu encore. Ils ont aussi un plat à base de bananes.
Un plat salé. J'hésite à le prendre. Ouais, pas mal. Je reste soft pour l'instant. Bah oui, j'ai encore de la route après pour rentrer à l'hôtel. Mais par contre, sur le chemin du retour, je vais m'arrêter dans un 7-Eleven et puis on va prendre un petit truc à boire. Hein. Parce que là, j'ai fait une grosse journée, mine de rien. Ah, je m'attendais pas à voir autant de choses ici. Vous voyez, hein, comme quoi on a souvent des surprises. À la base, j'avais pas forcément prévu de m'arrêter ici à Phetchaburi. C'est un peu le temps qu'on a décidé ainsi. Et je suis très content qu'il ait plu finalement hier sur le trajet, que je me sois arrêté là. Car j'ai découvert plein de trucs super sympas aujourd'hui. Vraiment, j'ai kiffé ma journée, c'était super. Phetchaburi, une petite ville, mais qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Hein. Vous pouvez vous arrêter ici, a priori, vous ne le regretterez pas. Allez, c'est parti. J'ai la dalle. Hein. Ouais, j'ai faim. Alors, qu'est-ce que ça vaut cette omelette ? L'omelette a été frite. Du coup, elle est grasse, mais franchement, c'est très bon quand même. Du coup, je pense que c'est ça, hein. Les fruits de palme qui ont été coupés en fines lamelles. L'omelette aux échalotes, si vous n'aimez pas la friture, ça va pas vous plaire. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez la friture, vous allez adorer. C'est simple, hein. Ça va faire beaucoup à manger, hein. Mais ça tombe bien, j'ai très très faim. Je vais finir tranquillement mon repas et on se retrouve juste après pour aller acheter des desserts thaï. Il y a une pâtisserie de desserts thaï juste à côté qui a l'air très très bonne et j'aimerais bien aller m'acheter quelques sucreries pour finir la journée en beauté. Regardez un peu comme la GoPro filme bien quand il fait nuit. Enfin, presque nuit. Le repas m'a coûté 220 bahts pour deux plats plus une bouteille de coca. Je trouve que c'est très raisonnable. Hein. J'ai très bien mangé, j'ai réglé avec un billet de 500 bahts et elles m'ont ramené 500 bahts en petite coupure pour me rendre la monnaie. Évidemment, comme je suis quelqu'un d'honnête, je leur ai rendu la différence. Hein. Ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive ici. Tiens. Dernière étape, les desserts thaï et puis après, je rentre à l'hôtel. Hein. Ah, c'est bon, je suis rincé. Et puis alors, j'ai besoin d'une douche. Ah, je vous raconte pas, ça fait longtemps que j'avais pas eu besoin à ce point-là d'une douche. Ce resto était sympa là, tout en bois, bien placé, c'était bon. La musique chouette aussi, hein. De la pop anglaise et américaine des années 60-70, pop folk. Ça j'aime bien, ce genre de musique quand on mange, c'est calme, très reposant, c'était parfait. Seul reproche que je ferais, c'est que c'est au bord de la rivière, alors du coup, dès que le soleil se couche, c'est plein de moustiques. Et je me suis fait bouffer. Bien, j'ai vérifié, il me restait un dernier temple à visiter ici. Peut-être le plus célèbre de la ville, je crois que c'est le Wat Mahathat Borawiyan. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Même si j'ai pas été le visiter, ben, j'ai quand même passé une excellente journée ici. Regardez, il est juste face à moi. Il suffit que je vous en parle et voilà, il est là. Oh, doucement, toi. Ah, j'ai une bestiole qui est rentrée dans mon casque. Je teste ça. Saloperie de bestiole de merde. C'est une vraie star, la dame, là, qui fait les desserts thaï. Il y a une équipe de télé qui est venue ici pour la filmer. Bon, bah, normalement, je devrais me régaler, alors. C'est un bon signe. Je vais prendre ça. C'est du riz gluant avec des fruits du jacquier. Les amis, quand j'aurai mangé tout ça, je peux vous dire que là, il y a plus d'un kilo, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah, ça va me faire un petit dessert ce soir, un gros dessert ce soir, et ça va me faire un bon petit déj demain matin, c'est parfait. Bien, je crois que vous en avez assez de voir ma gueule, et je peux vous comprendre. Ouais, grosse journée aujourd'hui, hein, mine de rien, je pensais pas faire autant de choses. Phetchaburi, super ville, je vous conseille de venir ici. Hein. Vraiment, si vous passez dans le coin, arrêtez-vous. Il y a des choses sympas à voir, et puis j'aime bien l'ambiance de cette petite ville. J'y suis resté qu'une journée, mais ça m'a suffi pour apprécier. Voilà, hein, des fois, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui s'expliquent pas. On est bien dans un endroit, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Faut pas chercher plus loin. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.